Hey, mes highlights, toujours dans le challenge. Alors, au niveau du temps, toujours pareil, rien de nouveau, j'ai envie de vous dire, sous le soleil. Toujours pareil, pourquoi j'ai fait cette tête? Je ne sais pas, je ne sais pas! Au niveau donc des yeux, vous le voyez, j'ai accentué le trait de liner, c'est quelque chose que je faisais il y a un petit moment maintenant. Je n'ai quasiment rien mis au niveau de mon rat... Enfin, c'est pas quasiment, je n'ai rien mis au niveau de mon rat de cils. J'ai juste marqué mes cils avec mon mascara classique, habituel. Au niveau de mes paupières, j'ai appliqué tout simplement deux fards. Alors, j'en ai marre de mettre à chaque fois incrustation de la palette et tout, donc je vous montre en vidéo. Le fard beige mat de la palette qui est ici sur l'entièreté de ma paupière mobile et en coin externe, je pensais, je n'ai pas utilisé du tout ces fards là. Je suis venue appliquer le bronzer en ce moment pour tout simplement donner du relief, mais j'aurais très bien pu mettre un espèce de rouge orangé. Là, vous voyez juste là, je l'ai appliqué dans le creux large et c'est tout simplement, et ça, je vous aurai le haul de toute façon, bien, puisque j'ai craqué, j'ai pris la poudre Makeup Revolution Matte Base Powder qui est dans cette teinte là et que j'ai appliqué au niveau de mon creux et au niveau de mes joues tout simplement pour venir contourer mon visage. Alors ça, je l'applique en combo du F18, donc ça c'est la P18 que j'applique avec la F18 et j'adore ce rendu au niveau de ma peau et contouré, je trouve ça vraiment très joli. Faut le savoir, je suis maquillée depuis ce matin 7h, vous allez le voir, oui oui, regardez bien le rendu de mon rouge. Voici le rendu d'un rouge à lèvres appliqué ce matin à 7h, 7h20, voici le rendu. J'ai mangé, j'ai bu beaucoup de café et voici le rendu du rouge à lèvres. Est-ce qu'on peut en parler? C'est comme si il ne s'était strictement rien passé, en sachant que je n'ai pas de transfert, évidemment, mais je ne me sens pas, je ne sens pas mes lèvres asséchées au max, etc. Alors c'est un espèce, comme vous pouvez le voir, oui j'ai un petit invité là, mais on va faire abstraction à lui. C'est un espèce de rouge, tire quand même pas mal sur l'orange. Je vous dis tout de suite ce que c'est, puisque vous l'aurez deviné. J'ai reçu ma petite commande de chez Vente Privée et je porte actuellement le 118 qui s'appelle Dancer, ou Dancer, le danseur quoi. C'est un espèce de rouge orangé qui sera vraiment très joli sur une carnation de peau foncée, voire une carnation de peau claire, peu importe. Je pense que ça ira à beaucoup de carnations de peau. Je pense que c'est le dupe quasi parfait Russian Red de chez MAC. Le Russian Red que je possède, qui est ouf. C'est dans le même ton, voilà. C'est dans les mêmes tons, mais en version matte. Voilà, c'est un rouge à lèvres que j'adore, vraiment. Et je suis bluffée, franchement. J'en attendais beaucoup de ces rouges à lèvres-là. Et je suis, mais très, très, très ravie, satisfaite. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que ce sont vraiment... Alors, je vous montrerai l'autre couleur que j'ai prise dans le haul. Mais vraiment, cette couleur-là, une couleur que je m'attendais pas à aimer autant. Et j'en suis ravie. En fait, comme vous le savez, je suis assez fan du rouge en ce moment. Et ben, le Dancer, alors ceux-là font partie, je pense, des nouvelles teintes, puisqu'ils avaient une première salve de teintes. Donc c'est dans les Maybelline City, je sais pas, parce qu'il y avait deux gammes. Et ils ont sorti la deuxième salve et je crois que le Dancer en fait partie. Donc Dancer, comme un danseur, Dancer. J'adore. Vous voyez le rendu depuis ce matin, les gars? Ça n'a pas bougé. Mais bougé, c'est le rouge à lèvres. Et là, depuis ce matin, quel quoi. C'est comme si je viens de l'appliquer. Je suis bluffée. J'en ai deux. Je m'arrête là. Si vraiment, vraiment je craque, je craquerai pour une teinte foncée, une espèce de burgundy, vous voyez, façon teinte un peu comme ça. Je pense que je me ferais plaisir. J'aime beaucoup. Mais à chaque fois, j'ai... La fille est complètement ouf. Tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que je te disais, copine? Je te disais un truc. Oui, tout ça pour te dire que donc, si je trouve une teinte foncée dans le même délire, franchement, je prends. J'adore, voilà, la texture est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre la texture. Comme une espèce de colle reste hydratante sur les lèvres, qui dessèche sans faire de paquets, sans faire, vous savez, cette espèce un peu poudre granuleuse, surtout au niveau de la texture là, interne des lèvres. Ça m'a pas fait ça du tout, donc j'étais ravie. Autant, on va pas se mentir, les Gérard Cosmétiques ont tendance à le faire un petit peu. Autant cela, franchement, pour l'instant, one shot quoi, je suis ravie, 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 ravie. Au niveau du glow, ben, je ne sais plus ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai pu mettre au niveau du glow? Je réfléchis. Ah si, je sais ce que j'ai fait. Comme d'hab, le MAC, pareil, ici. Donc, vous le voyez un peu quand je tourne la tête, vous voyez un petit peu là, du MAC là qui est... En fait, j'applique mon bronzer et tout de suite après, j'applique avec un gros pinceau celui de chez MAC et je remonte, je viens estomper, je remonte au niveau de mes tempes, etc. Ça, c'est vraiment redevenu un incontournable de ma routine. Ensuite,
Ensuite, j'applique là le vrai glow, tout simplement celui de chez Kiko, une ancienne collection, la Free Soul ou Soul Free. Très très, alors celui-là il envoie du lourd. Dès que je l'applique au niveau des joues, ça fait très très mal aux yeux. Donc c'est lui que j'ai mis. Et j'ai fait un topper toujours pareil avec le Peaching de chez Primark. Voilà pour mon make-up du jour, mes highlights. Je suis fan de ce make-up perso. Mon make-up de tous les jours très clairement. Mais comme j'aime changer, j'aime mettre des couleurs, j'aime, tu vois, agencer le délire. Je ne peux pas m'empêcher de créer d'autres looks. Créer en permanent, Bon, sur ce, je retire mes fossiles, j'enfile ma tenue de sport et je fonce au sport. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quoi, de mon make-up. Salut!